Une dégradation de l'ambiance de travail et des relations compliquées avec le proviseur. Voilà ce que dénoncent bien 25 des 32 enseignants qui œuvrent ici au collège de Sombernon. En juin dernier, ils ont d'ailleurs envoyé un courrier au rectorat pour lui demander de régler les problèmes. Oui, mais voilà, depuis plusieurs mois, le conflit s'enlise et l'ambiance se dégrade. En réponse au courrier, le rectorat déclenche une enquête administrative. Résultat, des sanctions sont envisagées contre deux professeurs. Une pétition de protestation est alors lancée sur Internet et recueille plus de 3000 signatures, soit trois fois la population de Sombernon. Tout le monde semble dépassé, même les syndicats. Nous, ce qu'on regrette, c'est que les collègues étaient obligés d'en arriver à la pétition et on se dit qu'en prenant les choses beaucoup plus en amont, l'administration aurait pu gérer la situation et éviter aux collègues d'avoir recours à une pétition. Dans un communiqué, le rectorat précise qu'aucune sanction n'a été prononcée et que la campagne de désinformation diffusée sur les réseaux sociaux participe à la dégradation de la situation. La rectrice doit également annoncer ce soir la nomination d'un principal adjoint et espère ainsi ramener un climat plus serein au sein de l'établissement.